Salut les Frambis. Yo les Raiders, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Giratina. Ouais, donc aujourd'hui, on va essayer de faire Giratina alternative. Exactement. Et aussi Giratina originale. C'est ça, le but c'est de faire les deux dans la même vidéo les amis. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rentrer dans le raid sur lequel on se trouve là actuellement. Vous voyez ça sur nos écrans. C'est Galerie Sotheby's, c'est au niveau de l'Elysée. Ouais, c'est pas loin, très proche de l'Elysée. C'est ça, et du coup on va essayer d'inviter le maximum de potes et on se retrouve au début du raid. A tout de suite les amis. C'est parti les raiders, donc le premier raid. Les counters pour celui-là, c'est les dragons, c'est ça? Ouais, dragons et comment ça s'appelle? Spectre. Spectre, c'est bien aussi. Ouais. Bah lui déjà, les dragons spectre, donc j'avoue... Ouais. Non, c'est quoi le truc noir là? Ah, c'est ténèbres. Ténèbres, ouais, peut-être, je pense, ouais. Genre comme Tyrannosif. Ouais. En tout cas, dragon. Les gars, dragon, glace, parce que c'est un dragon aussi. Après, est-ce qu'il nous fait du mal avec ses roches, etc. Bon. Bah heureusement qu'on a des Rayquaza, tu vois, qui sont assez montés. Là, j'ai mis également un Dracolos. Et en méga évolué, j'ai fait méga évoluer un Latias. Ok. Et normalement, là, tu vois, ça va faire booster tous mes potes. Qui les sont attaques dragon. Dragon, ouais. Exactement. Mais il est relativement facile à battre, toi? Non. Non? Enfin, si t'as ce qu'il faut, tu peux le passer à deux. Ok. Si t'as pas ce qu'il faut, tu peux pas le passer à deux. Tu galères. C'est vrai, hein. Mais quand tu le passes à deux aussi, c'est tight. Hein. Franchement, au niveau du timer, c'est serré. Bon, après, l'idée, c'est de... Quand je disais facile à battre, hein, c'était pas pour le passer à deux. Mais je pensais plus, tu vois, à 4-5 personnes, quoi, tu vois. Ouais, de toute façon, c'est un dragon. Tout le monde a des dragons. Donc, automatiquement, même des joueurs level 30 et tout, ils ont des dragons. Tout le monde a monté un Dracolos, donc automatiquement ça va quoi. Exactement, et en plus de ça, vous allez avoir le Community Day de Mini Draco qui va être là très bientôt. C'est-à-dire le 4 novembre, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc nous on sera sûrement à Paris, aux Tuileries les amis. Donc si jamais vous souhaitez venir le passer avec nous, vous êtes vraiment le bienvenu. Et terminé les amis, il peut être shiny, n'oubliez pas, et son 100%. 19-31, le souvenir. Ok. En boosté, 24-14. Ça, j'en suis sûr. Ah, allez, on va voir ça ensemble. 3, 2, 1. Shiny check. Shiny. Wow, GG. 23,69. 23,90. J'ai un pas mal. Eh, le premier. Hein. Premier Shiny. Franchement, GG. Merci beaucoup. C'est le premier Shiny Giratina alternatif que je vois depuis qu'il est revenu. Sérieux? Les amis. Sérieux? Eh ouais. Je l'ai respecté, je lui ai mis un petit excellent mec. Bravo. 23 combien t'as dit le 100%? 24-14. 24-14, ah ouais. Essaye de capturer le tien, Seb, tu nous diras tout à l'heure ce qu'il en est en termes de d'IV. Ouais. On va avancer les amis vers le prochain qui se trouve sûrement vers la Madeleine. A tout de suite les amis. Les raiders pour le deuxième raid, y'a qui ça veut avec nous? Silvio les amis. La Guyane représente. C'est voilà. Quoi c'est 9-7 9-7-3. Bien. Franchement t'as regardé sur Google ou quoi? Je savais pas qu'il y avait un 9, je savais pas qu'il y avait un 7, je savais pas qu'il y avait un 3. Non parce que t'as 9-7-1 Martinique. Ouais. 9-7-2 Guadeloupe. 9-7-3 La Guyane. Bon bah écoutez, on embrasse nos amis Odom Tom, comme dirait Julien Lepers. Du coup les amis, premier raid, franchement j'étais heureux d'avoir eu le Shiny. Là, on va faire un deuxième raid, et puis après celui-là, on passera directement au Giratina forme normale, ça? Bah ouais, peut-être, original, ça dépend. Si on tombe encore sur alternatif, on va faire alternatif. Ouais. Mais si on tombe sur l'original, on va pas se gêner les amis. Exactement. En tout cas les amis, si vous nous voyez changer de vêtements, c'est qu'on en a pas trouvé. Et du coup, c'est un autre jour. Exactement. Donc les amis, aujourd'hui, franchement, moi, je vise plutôt le 100%, je t'avoue. Tu l'as pas, celui-là? Si, je l'ai. Ah. Mais 100% shiny, je l'ai pas. Je vise le 100% shiny. Eh gros, il faut toujours avoir des objectifs dans ce jeu-là. Parce que, à force... Et celui-là, on l'a eu, je sais pas combien de fois en raid. Donc forcément, on a eu le temps de l'avoir, le 100%. Bah, même le shiny, il est sorti en 2019, je pense. Ouais. Ouais. On avait fait la vidéo, souvenez-vous, à Paris 13e. On était sur le plateau de Paris 13e. Et exactement. C'est là qu'on l'a eu en shiny la première fois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je me rappelle. Du coup, les amis, on va voir ensemble ce que ça donne, cette histoire. Je suis prêt, Sylvie, tu es prêt. Seb, tu... Oh, j'ai appuyé. Je suis désolé, j'ai appuyé. J'ai pas shiny.
Il a pas shiny non plus. Vas-y, je shiny check pour tout le monde. Allez. Pour toute la France. On lui donne la force. 3, shiny. 2, 1. Shiny. Non. Non. Oh, il est rincé. Combien? 23,29. Ah ouais. D'ailleurs, celui juste avant 23,90, c'était un 96%, 13,15,15. 13,15,15. Bon, c'est bien, c'est bien. En fait, j'ai eu 33 et je pensais que c'était vraiment bas. Et. 29. 29, frère, je savais même pas. Ah, Silvio, il a déjà attrapé. Ouais. 66, je crois, lui. Ouais, c'est ça. 66. Du coup, les amis, nous, on va avancer, essayer de chercher un autre Giratina. On s'en trouve une fois qu'on l'a trouvé. Allez, à tout de suite, les amis. Les amis, on se retrouve sur un nouveau Giratina. Là, on est à Gloriette. Exactement, on est à un nouveau jour. Donc, la suite avec Kenji qui nous a rejoint entre temps. Et regardez, les amis, mon écran. Sur le chemin, j'ai fait mon ensemble bleu. Et je suis tombé sur un articodin. Mais du coup, Seb, tu m'as dit que là. Regarde. Là. Ah non, mais d'accord. Là, t'es sorti en légendaire, toi aussi. Non, mais celui-ci, en fait, il est à 1968, mais le cercle est vert. C'est-à-dire, il y a des grandes chances que ça soit pas un articodin de Galar. Ouais. Que ce soit mon Pokémon copain, en fait, qui me fait une farce. C'est ça, exactement. Et c'est déguisé. En allez. Quoi? En quoi? Allez, attrape-le. Allez, on va l'attraper rapidement. J'ai mis une baie dorée quand même dessus parce qu'il y a quand même l'ensemble bleu. Ah, il y a un raid ici, Kenji. Ben, t'inquiète pas, je l'attrape et on va essayer de faire le raid qui est là, qui est le nouveau Giratina. Bon, s'il rentre, c'est forcément pas un articolien de Galar. Allez, suspens. Voilà, c'est ça. Voilà. Changement et c'est Xoruia, c'est ça? Xoruia. Voilà. Ouais. Xoruia. Je dis Xoruia, moi. Donc. Mais moi, en fait, moi, c'est direct en Xoruia. Ah, tu l'as eu en Xoruia directement sur la ouais. Nature? Parce que t'as un Xoruia en Pokémon copain, non? Non. Ah? Non, il a un Oupa déchaîné. Ah, et Oupa déchaîné ne peut pas être dans la nature comme ça? Bah, en fait, ils ont pas dû le coder. Et voilà, et c'est un bug, tout simplement. Ah là là là, du coup, j'ai gaspillé mon ensemble bleu juste pour ça, les amis. Éclosion de 3 œufs! Eh, c'est, j'ai un Sinistrel Shiny là, ça va me réconforter, tu vois. Allez, un petit Sinistrel. Non. T'en as fait toi des œufs, j'ai vu. Hein. Ouais. Dans les charts, j'ai vu, t'en avais pas mal. Mais toujours pas. Tu t'as fait. Vas-y, Kenji, je te laisse appuyer sur le dernier. Okay. Allez. Tu t'as fait des galas. Donc, nul, 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 les amis. Allez, on va se mettre directement dans le Giratina. Donc vous voyez, la forme a changé par rapport au début de la vidéo. Hein. Là, on est sur un autre jour, encore une fois. En randonnant, on invite tous les potes et on se retrouve une fois que le raid commence. Les amis, c'est parti. Donc cette nouvelle forme de Giratina, Giratina, forme originale. C'est ça. Original. Exactement, original. Non, c'est pas alternatif. Chaque fois, je confonds, c'est les deux. Ouais. Il n'y a pas de forme alternative en vrai. Bah si, c'est l'autre, celle qui est sur pattes. Original. Ah oui, original et alternative, voilà, ouais, ok. Celui qui est sur pattes, c'est l'alternative. Ouais. Et donc ça, c'est le vrai de vrai. Mais c'est celui-là qui nous intéresse le plus parce que c'est le plus intéressant qu'on utilise partout. C'est pour ça que j'en ai fait moi quelques-uns, j'ai essayé d'avoir un peu des bonbons quoi, tu vois, pour l'augmenter. Ouais, bah après si tu l'as avec l'attaque exclusive, ouais. Visiblement elle est utile. Pour le PVE? Ouais. Ok, cool. Eh ben écoute Seb, j'espère qu'on va avoir un bon surtout. Et est-ce que toi, t'as déjà eu un 100%? Non, celui-là il te manque? Par contre, j'ai l'autre en 100%. Oui, moi aussi. J'ai celui qui sort pas le 100%. Mais j'ai pas celui-là. Et moi, j'ai 0 shiny. Tu as pas encore eu de shiny, non. Kenji? Non, j'ai pas eu encore. Combien t'en as fait? 150. Non, c'est pas possible. 5? Eh, il dit pas non, hein. Il a pas dit non. Hein. Eh, il a pas dit non. Hein. Il est capable de faire 150, le petit. Hein. Bon. Bah écoute, on va voir ensemble si on a un shiny ou pas. Tu es prêt Kenji? Tu es prêt Seb? Moi je suis prêt. 3, 2, 1, shiny check. Pas shiny pour moi. Non. Pas shiny non plus. Début de cette vidéo là, on a eu un shiny déjà, hein, pour info Kenji. Il était pas là, oui oui, parce qu'on a fait le début à notre jour. Et du coup, on n'a pas de shiny cette forme là. On va essayer d'en faire quelques-uns encore. Et j'espère vraiment qu'on va vous montrer le shiny. Le 100% Seb, c'est 21 quelque chose, non? 2105 de ce 105, ok. 2105 ou 2115, je crois que c'est 105. Hein. Je me rappelle pas, je sais que c'est 21 quelque chose, mais je me rappelle pas l'information, exactement. L'information, elle est là, les amis. Bon, bah écoutez, on va essayer de marcher vers le prochain qui se trouve derrière nous, normalement. Et on se retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite, les amis.
Raider, deuxième raid, comme vous le voyez. Celui-là, je sens que c'est un shiny. Donc deuxième raid, Giratina forme origine. Origine. Pourquoi t'es triste? Parce que moi je le sens pas. Tu sens pas? Kenji sent, sent. Contrairement à toi, je le sens pas. Tu sens que c'est un shiny ou pas? Je sais pas. Même Kenji il sent pas que c'est un shiny. Ouais, je le sens pas. Je le sens pas. Je sais pas pourquoi. En plus en ce moment, le jeu il est pas très généreux. Le jeu n'est pas très généreux, sérieux, tu trouves? Ouais. J'ai eu un Pikachu le nouveau. Tu sais, bah, avec le costume. C'est ça, moi j'ai rien depuis le début. Ouais, mais même la citrouille, c'est chaud. J'ai rien. J'en ai cliqué mille, mon gars. J'ai rien. Je passe ma journée à appuyer. Attends, t'as eu le Pikachu? Aucun shiny, les amis. Kenji, t'es pas au courant que j'ai eu le Pikachu? Il regarde pas nos shorts. D'ailleurs, les amis, vous avez vu qu'on met maintenant des shorts pour vous tenir un petit peu informés. Pourquoi on a essayé de faire ça? Parce que ça a grave changé sur YouTube, là, le format short, Seb. Maintenant, ils sont dans un onglet à part, tu vois. Du coup, ça pollue pas, en fait, notre feed de vidéo. Et je trouve ça génial. Et en plus, avant, on disait souvent à nos abonnés, allez sur Instagram, parce qu'on va mettre sur Instagram si on a eu le nouveau shiny, tu vois, un truc comme ça. Mais maintenant, plus besoin. On le met sur Instagram et sur les shorts. Ouais, c'est sûr que c'est plus simple d'avoir une seule application, en fait, pour uploader nos vidéos. Ouais. Et franchement, c'est cool d'avoir fait la séparation, justement, pour pas faire cette pollution, comme tu dis. Parce qu'il y a des gens, ils sont pas forcément intéressés par les shorts. Après, nous, on fait vraiment un contenu qui est différent dans les shorts, puisqu'on met des choses qu'on ne fait pas habituellement, en c'est fait. Ça. Donc, d'habitude, on monte pas des éclosions d'œufs, on les cale entre deux, parce qu'on tombe pile dessus pendant un tournage. Mais là, en fait, ça nous libère, puisqu'on peut le faire à n'importe quelle heure, c'est ça. À n'importe quel moment. Je capture un truc intéressant, un Pokémon intéressant, j'ai envie de vous le montrer, et ben je vais pas me gêner les amis. Et d'ailleurs, dites-le nous si vous avez des idées de shorts, par exemple si vous voulez voir le plus gros shiny, nos shiny préférés, des trucs comme ça. Ben, pas forcément ces idées-là, hein, parce qu'on les a déjà faites, mais dites-le nous si vous avez des envies ou des idées, ben, on pourra vous faire plaisir. Kenji propose des ouvertures de booster Pokémon, t'entends? J'ai entendu, ouais. Ça c'est une idée géniale. Mais il se peut qu'on fasse ce format-là, mais pas sous format short, ou peut-être sous format short. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on vous viendra informer les prochains jours, j'espère. T'es en train de prier pour le shiny, là? J'ai vu le PC, du coup, je sais qu'il est bien. Ouais. Et du coup, j'ai fait une petite prière pour le shiny. Est-ce Donc, que tu peux me bien bénir shiny, les amis, franchement, là, ça va être génial. Et tu peux me bénir, Seb, mon téléphone? Tu peux me bénir mon téléphone ou pas? Voilà. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, mes chers amigos, pour le shiny? 3, 2, 1. Shiny check. Oh. Un shiny. 20,70. 20,97. Il est super, le tien. Bah ouais, c'est pour ça. 20,37, mec. J'aurais kiffé l'avoir en shiny, les amis. Ah là 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 là. Mais à mon avis, c'est au moins un 96. Hein. Je pense que c'est un 96. Mmh. Genre, tu sais, 15... 13-15 ou 15-15-13. 14-14-14, moi je dis. Allez, la loterie là. Non, mais si c'est 3x14, c'est pas un 96. Ah oui? 93. C'est possible que ce soit 14-14-14 aussi. Hein. Allez, rentre mon petit, rentre. Rentre mon petit. 3. Non. Je veux dire 3, 2, 1. Allez, c'est la bonne. Là. Quand on fait pas d'excellence, Seb, c'est là où il rentre. 1. Ah, il est énervé, hein. Il est vénère, les gars. Il va le capturer et on va faire l'évolution. L'évaluation. Je bug toujours sur ces mots-là. C'est ouais. Fou. Mais c'est ta signature. Depuis la vidéo 1. Ouais. On va faire l'évolution. Depuis vidéo 1, les gars. Allez, juste après, on va faire l'évaluation. C'est bon. Yes! Yes! Bien joué, tu l'as attrapé. On dirait que c'est un truc de ouf, frérot. Alors moi, j'ai une question aux gens, aux anciens. 2097, ça vous pensez, ça fait penser à un jeu qui est sorti sur PlayStation. Si vous avez la réponse, en commentaire, les amis. En commentaire? Même moi, j'ai pas la réponse. 14-14-14. Non, 15-15-13. 14-14-14, je crois que c'est 2087, 2087. Sérieux? Tu te rappelles du PC? Un truc du genre. Incroyable. On va essayer, les amis, d'aller chercher un autre. Je sais pas si je vais réussir à capturer le mien, là, qui veut pas rentrer depuis tout à l'heure. Et du coup, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. À tout de suite, les amis. Il l'a dit. Il l'a dit.
Les amis, c'est parti, le dernier raid Giratina. Ouais, avec mon méga Latios, comme vous le voyez là. Il est prêt, il est en train de booster tous les potes là en dragon. Ouais, t'es à côté de moi. Tu me vois, Kenji, je suis à côté de toi, c'est ça? Kenji avec son Léviator méga shiny. Il l'a mérité, hein, celui-là. Il a lutté pour avoir. Par contre, moi, j'ai un vieux bug du jeu. Regarde, Pokémon fantôme bizarre. Ah ouais, change de Pokémon. Change de Pokémon, allez. Et Giratina, en fait, il a pas sa vie qui bouge. Ah ouais, c'est fini. Ah ouais, là, il est mort. Hein. Il est mort. Hein. Est-ce que si je quitte, là... Non, je sais pas. C'est bon. Non, c'est pas bon. Le jeu, il est en PLS. Il sait pas ce qui se passe, en fait. Mais je sais pourquoi. Parce que regarde le réseau. Alors que moi, je suis en 5G. Oui, j'ai désactivé la 5G, c'est pour ça. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça va donner. Non, ça bouge pas, en fait. Moi, je suis déjà... Je vais activer la 5G. Normalement, les amis, j'ai activé la 5G. Regardez, direct, instant. Dès qu'il y a eu la 5G, il est mort. Donc là, on va voir le PC ensemble. Je regarde, je triche. 20-45. Sérieusement? J'ai pas vu, Kenji? On sait que c'est mauvais, du coup. Vous savez pas. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, le dernier. C'est parti. 3, 2, 1. Shiny shake. Pas shiny pour moi. Non plus. 20-57 pour Kenji, 52. Nul. 52 pour Seb, nul. Et 45 pour moi, comme je vous l'ai dit, très très nul. Bon, on va le capturer. Hein. Le capture et je vous montre celui d'avant, parce qu'on avait dit qu'on ferait l'évaluation. Mais on l'a faite. C'était 14 et 13. On l'a fait en vidéo? Ouais. T'es sûr? Oui, 15, 13. Moi, je sais que je te l'ai montré. Oui, non, mais tu l'auras montré aussi, je te jure, Seb. Franchement? Si je voulais pas montrer, eh ben maintenant vous savez, c'est 15-15-13. Donc les chasseurs, on l'a attrapé, mais avant de nous quitter, je voulais juste vous montrer l'évolution de Zoroa, à quoi il ressemble. Je l'ai vu chez Kenji tout à l'heure vite fait, et je ne l'ai pas fait évoluer encore. D'ailleurs, je vous conseille tous de faire le maximum de captures avant qu'il disparaisse, parce qu'il ne va pas rester longtemps, je crois. Alors en fait, il restera, il sera toujours là. Oui. Il ne va pas disparaître, donc vous pourrez l'avoir même après l'event. Mmh. C'est juste qu'il aura un taux comme un métamorphe. Ah, vous pouvez tomber dessus au hasard, etc. Donc, ouais, ça va être très rare. Donc profitez-en tant qu'il y en a plein là. Là, il y en a plus. Regarde, il est beau. Hein, je vais pouvoir l'utiliser en PVP, on va voir ce qu'il vaut. Hein, je vous dirai peut-être en short. Merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. À cliquer sur t'abonner et sur la cloche. Pas sur la tête de Kenji. Hein, à t'abonner et sur la cloche pour recevoir la notification de nos futures vidéos. Bah ouais, voilà. Salut les amis. Salut les chasseurs.